Et coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo de gameplay commentée sur le boss Dror Raxlin, qui est le boss des gobelins qu'on trouve au fond du camp de gobelins dans la grotte. Voilà, pourtant mes bonhommes étaient quand même pas mal en forme. Hein. Bah, on va reculer ma foi. Comment je fais pour aller là-haut? Voilà, tu vas aller là. Ah oui, il a pas l'air de vouloir y aller. Je vais le faire passer par là, du coup déjà il va éviter de tomber dans le trou. Le petit vampire. La mousse speed. Hop. Tu vas ici. Allez, marche. Est-ce qu'il en reste un petit peu? Il reste quelques pas. Ah là, il a tout donné. Ok. La prêtre. Voilà. Elle lui joue. Mister Pouf. Mister Pouf, où est-ce que tu vas, Monsieur Pouf? Il va là, ok. Il prépare son prochain coup. Et bien avec ça... Donc je suis pas full dans mes sorts aussi, hein. Du coup là il faudra un long repos pour les avoir, c'est ça aussi le souci. Oh là, les bonhommes se déplacent, hein. J'ai un petit pack sur ma droite et un pack sur ma gauche. Ils vont se déplacer gentiment. Ok, ils sont bénis. J'ai oublié de faire ça aussi, il fallait que j'envoie ma bénédiction sur mon prêtre. Ok, elle a plus rien. Et du coup, je vais aller me mettre tout là-haut. Vous pouvez aussi éventuellement envoyer un bonhomme pour commencer le combat et laisser vos gentils camarades là-haut déjà. Ça évite de le faire pendant le combat. Alors, lui, c'est le grand vilain qu'on veut dégommer au rat de commandement. Vas-y, fais tes buffs. Alors. Ah ouais, mais il se déplace pas des masses quand même, hein, lui. Hein. Ouf. Je vais pas le mettre trop loin parce que j'ai besoin qu'il soit à peu près à côté pour le rat de commandement. Pour le rat de commandement, pour la bénédiction, pardon. Voilà, on va se bénir tout ça. Axelam, bam bam. Voilà, ça c'est béni. Ensuite, Mister Pooh. What? Attends, c'est un vieux novice, il m'a fait 13 points de dégâts. Nani. Ok. C'est triste ça. Vas-y, mets du poison. Elle est hors portée. J'ai mon rayon ardent. Normalement, ça devrait le buter, ça. Ça va le détendre. Voilà. Oh, en plus, un coup critique. Allez, ciao, Bella. Oh, un cadavre. Vise la guerrière. Ok. Elle met ses ardeurs, moi. Alors, là, ils sont là-haut. D'accord. Ouais, mais il va... Il a mis une de ses fléchettes. Ça va, elle a pas fait trop mal, mais bon. Elle était quand même bien placée. J'aimerais pas tous les packs, mais je vais pas avoir trop le choix. Je vais me faire une armure sur lui. Et je vais me prendre une petite potion de soin. Voilà. Alors, je vais lui faire monter ça. Pouvoir commencer à lancer des flèches. Ah, moi aussi je suis planqué. Alors évidemment j'ai pas la portée. Ça c'est... Ah, peut-être que là ça va le faire en fait. J'ai essayé de tuer le boss en premier. 8 points de dégâts, ouais, ça va. Je vais avancer ma prête, faire un balisage. Alors, la cible est trop loin. Ah, diantre. Résistance. Ouais, je peux pas le faire, ok. Ça c'est triste. Je vais te faire un buff sur moi. Je vais m'assister tout seul comme un grand. Voilà. Il me reste un heal. Pour l'instant, je vais le garder.
Ok. Oh, mais il a lancé une petite grenade, ça m'a fait 21. Ok, il envoie un aidé à tout le monde. Ok, j'ai encore mes traits de flamme. Je pense que je vais aller chercher le boss. Alors. Voilà. Oh là là, bah moi aussi j'ai des sorts, hein, t'as vu? C'est mal, hein? C'est mal, je peux pas aller jusque là. Je vais rester ici du coup. Hop. Lui avec son poison, ça l'a empoisonné. Ok, lui il avance. Le novice Ro. Ro, le novice. Il est là. Sursaut d'activité. Ok, il va jouer deux fois normalement. Vas-y, lance-moi. Je sais pas ce qu'il m'a lancé. Bizarre. Ok, je sais pas, c'est bizarre. Il m'a lancé un truc, on aurait dit une sorte de grappin. J'ai pas très bien compris. Mais ça se pompe TP sur la créature, ça va me servir. Et ça c'est raté. Triste. J'aurais besoin d'un balisage avec mon prêtre. Déjà je vais lancer une petite flèche sur le crâne. Point de dégâts. Voilà. Ok, allez le balisage. 75% faut qu'il passe. Ok, nice. Allez, se les bouffer, même en plein dans la tronche. Je vais soigner mon prêtre. Et je devrais pouvoir le finir. Ok, il m'a endormi le prêtre. C'est pas très grave. Endormissement qui va juste me faire passer mon tour. Ça par contre... Oh, il a pété l'échelle. Ah, ça c'est pas cool par contre. Il vient de me niquer ma stratégie. Ok, il a soigné lui, plus 4, ça va. Il est toujours pas très bien. J'ai mon lance-flamme qui vient de sauter. On va remettre le lance-flamme. Reviens là, petit lance-flamme. Voilà, t'es mignon. Reviens là, le lance-flamme. Voilà, merci. Alors, je vais mettre ici. Et là, normalement, je vais leur cramer la tête. Je vais me rapprocher encore un peu. Bon, j'ai pas le troisième, mais déjà les deux. Ça devrait bien se passer. Allez, bim, bim. Voilà. Celle-là, il l'a senti passer. Ok, allez, bout un peu, discrètement. Le combat n'est pas fini, mais c'est pas grave. Oh là là, un briseur de foi. Parchemin de communication, avec les morts. Avec les morts et une clé. Ok, allez, je prends ça. Eh les gars, votre boss, il est tué, hein. C'est bon, c'est pas la peine. Top, rush kit. D'ailleurs, j'ai pas... ça, c'est assez cool. J'ai pas proc le groupe de combat qui était ici. Ça me fait quand même 3-4 creeps en moins. C'est assez pratique. Je vais dégommer lui. Oh, il lui reste un point de vie. Vraiment? Bon, bah toi, t'es bien là-haut. Je pense que je vais finir celui. Il a combien, lui? Ouais, ils sont full HP. Bien, lui. Allez, bim. Un point d'XP. Oh là là. Ouais, je trouve après comment le refaire descendre de là. Mais ouais, bénédiction, ça me sert à rien. 60%, 50%. Mmh. Ok, je vais les debuff du coup avec la malédiction. Ah dommage, il y en a un qui n'est pas passé. Je vais la faire avancer un peu pour qu'elle aille mettre un coup au cac tout à l'heure. Oh là là. Ils aiment bien faire voler mes bonhommes, hein. Bénédiction, d'accord. Oh, il se barre. Reviens là. J'ai un contact glacial, 95%. Bim. Oh. Le petit filou. Il a résisté à l'effet. Ah, j'ai encore le gars qui est perché là-haut. Il va me décocher une flèche. Ok, dans ma tête. Personne ne m'a jamais échappé. Ouais. Bah écoute. Il y a un début à tout, hein, ma foi. Moi, ils bougent pas hein, quand je leur lance ce sort-là. Hein. Ils sont... Non. Bah les steaks. Moi, j'ai pas envie d'être propulsé. Ça te pose un problème ou quoi? Allez, bim. Bon, lui du coup, reste là de promener, hein, ma foi, avec ton arc. Tu vas être bien. Ah, du loot. Encore du loot. Encore du loot. Voilà, ça c'est bonne chose de faite. Là, oh là là, mon sort qui part. On va verrouiller ça. Tigelim Temtum, il était où ma petite brûlure? Il était là. Voilà. Non mais le là.
Remets-le là. Wesh. On a bien visé, hein. Il veut pas. Tu me fatigues le jeu. Bon, ça c'est un peu galère. Bon, tant pis. Bah, tu sais quoi, je vais faire un autre sort. Ok, j'ai compris, tu veux pas le remettre. Je vais faire un autre sort. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais renforcer mes défenses magiques. Voilà, hein. Ils ont pas d'attaque magique, mais c'est pas grave. Je voulais pas que je joue autre chose. Ah bah voilà, allez, bim. J'ai de sauvegarde, c'est grâce à mon super sort de renforcement. Allez, mange pas ça. Raté, te mange pas ça du coup. Par contre, Pépère qui lance des flèches depuis tout à l'heure, il commence légèrement à me gonfler. Falloir que j'aille le déloger à un moment donné, parce que là... 60%. Ouais, faut arrêter de rater tous vos sorts les gars, par contre, parce que là, ça va pas le faire. Ah, j'ai mon archer, j'ai mon planqué aussi. Oui, 9 points de dégâts. Ah, mais j'ai plus de sorts. Bon, vas-y, va lui mettre un petit coup de massue dans la tronche. Voilà, super, raté. Raté. Le combat, attention. Raté contre gratté. Raté. Quand même, tous les ratés alors que j'avais plus de 50% de chance de réussir. Je sais pas trop si c'est des vrais maths ou si c'est de la tricherie. Alors, 36, ouais, là, 36% déjà que tout à l'heure j'avais pas. Je vais me faire une protection contre les armes. Hein. Ah, j'ai un... What? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je l'avais pas vu. Ok, tire ta flèche. 9, ok. Allez, finis-le là. Ouais. Eh, 9 points de dégâts quand même, en fait. Tape fort, hein, celle-là. Ouh là là. C'est le petit ours brun là que j'avais pas vu. Empoisonné. Mince, ça m'a au-dessus. C'est dommage, ça. C'était pas très malin. Je me suis pris le rebond d'acide sur ma tête parce qu'il était trop près de moi. Ah, il a touché. Je pensais pas qu'il allait toucher. Bon, c'est bon. Il y a une certaine justice dans ce monde. Je vais faire un clouage au sol. Histoire qu'il soit route. Voilà. Et elle... elle est trop loin aussi. Vas-y, bah avance, hein, ma foi, cocotte. Je peux lui faire une protection, je pense. Non, non, j'ai pas assez de place. Assistance, non plus. Rip, raté. Bon, du coup, je vais éviter de faire l'autre truc d'acide, hein. Parce que ça me... Enfin, de poison. Et j'ai... Oh, je pensais pas qu'il avait la portée de là. Mais en fait, vu qu'il m'a attaqué au corps à corps, c'est évident qu'il avait la portée. J'ai oublié de réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Pépère? Ah, il m'a touché. Petit filou. Raté. Ah, mon archer qui a fait le café, là, pendant tout le team fight. Je vais me cacher derrière un mur, ça va les forcer à descendre. Hop. Et ils vont plus avoir de vision. Elle, pareil, va avec tes copains. J'ai peut-être de quoi le pousser de là. Ah, il est là-haut. Ouais, mais là, si la caméra m'empêche de la voir aussi. En passant. C'est quoi ça? Alors, c'est tricheur! Attends, voilà. Ok, facile. Trop simple pour le viser. Pim! 80% de chance de toucher quand même, hein, alors qu'il était en l'air. Ok, j'étais obligé d'utiliser cette vue. J'aime pas trop cette vue, mais. What? Mais il a raté et puis il me l'a fait par terre. Mais bon, elle s'avère quand même pratique dans ce cas-là. 72%. Et ok, il a raté. Je vais aller me cacher ici du coup. Tchac. Et elle... Okay. Ah oui, c'est elle qui s'est fait pousser là. Peut-être faire un petit coup d'acide. 24% de chance. Non, je vais rester sur ça. 80%. Vu que je suis pas trop en chance avec les dés. Alors lui par contre, ouais alors je sais pas trop comment tu vas aller, comment tu vas redescendre. J'avais un coffre que j'ai vu là, ouais, alors lui il va aller choper le coffre, vas-y, va me choper le coffre. Au moins il va être utile. Ah, le coffre de la mort qu'il fallait trouver. Non attends, fais une petite assistance sur lui, voilà.
Il a touché mon bonhomme. Loupé! Allez, comme ça, je vais pouvoir l'amener, lui. 75, 85, je vais le finir. Bim! Allez, ciao, Bella. Et toi, là-dessus... Ah, j'aimerais bien l'empoisonner, quand même. 70%. Allez, bouffe. Voilà. Allez, le coffre! Allez, choper le coffre. Accélération. Allez, y'a quoi dedans? Oh! Un plan en argent et un verre en argent. Et bah dis donc. Franchement, c'est quoi ça? Ils ont planqué de ouf le coffre pour ça quoi. Après, peut-être moyen de sauter. Ouais, je regarde si je peux sauter. Ah, après. Sec. Allez, passe ton tour. Non, non, le toutou. Pourquoi il peut passer son tour? Passe ton tour. Ouais. Je veux juste passer mon tour en fait. Ouais, écoute, hein. Tiens, une flèche. Pourquoi il veut pas? Espace. Fin du tour. Terminé, terminé. Bah, tu sais quoi? Je sais pas. Voilà. Ah, c'est bon, c'est bon. C'était le temps que ça a fait. Non, là, pas envie. Attends 5 minutes, s'il te plaît. Je le passe et ça va. On n'est pas aux pièces, hein. J'ai rien fait, c'est juste qu'il y a le temps qu'ils prennent en compte le changement de tour. Et bien voilà, ease. Combat fini. DM Gaming. Et merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. DM Gaming, c'est une équipe d'indépendants créant des tests et tutoriels sur les jeux vidéo. Si jamais vous souhaitez soutenir nos projets, n'hésitez pas à like, partager ou à commenter. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via notre page Patreon, le lien étant dans la description. Moi, je vous remercie énormément et je vous dis à très bientôt.